Aujourd'hui 19 octobre 2023, il fait un vrai temps d'automne, vent très fort et pluie battante. Entre deux averses, nous décidons de faire une petite sortie tout près de chez nous. Nous nous rendons à Ternay pour effectuer une petite rando de 7 km, facile et alliant nature et patrimoine comme l'indique le site de Visorando qui nous guidera. Les dénivelés sont faibles, mais nous commençons par une petite grimpette et atteignons bien vite un plateau. Les paysages sont champêtres et nous apercevons de temps à autre la ville de Lyon. Au cours de la balade, nous aurons aussi l'occasion de rencontrer quelques oies bien agressives et même un immense champ de lavande et nous nous promettons de revenir au mois de juin pour voir cette curiosité. Sur la fin, nous rejoignons Ternay et admirons la jolie église clunicienne de Saint-Mayol du XIIe siècle, l'ancien cloître et les communs du château de la Porte. Nous terminons en parcourant une partie du parc du Grand Clos. Au final, une sortie agréable malgré des conditions climatiques assez exécrables.
Hello. Hello, salut. Salut. On vient de faire une boucle, une petite boucle de 7 km à partir de Ternay. Et pendant la rando, on a visité la petite église du 12e siècle de Saint-Mayol de Ternay, qui est très chouette, qu'on voit quand on est sur l'autoroute pour descendre de Lyon à Givors. Ouais. Entre Lyon et Givors, c'est ? Oui, oui, oui. D'accord. Et voilà, là on l'a vu de près. C'est une très jolie petite église, intérieure, extérieure. Voilà. Et la petite rondeau était sympa. Il y a un peu trop de vent, mais bon. Il y a beaucoup de vent. Avec, on a du bol de ne pas avoir ramassé la pluie. On est entre deux averses. Voilà, c'est un truc champêtre. C'est sympa. Petite hein, rondeau sympa. Petite rondeau sans prétention, sympa. Allez, ciao, ciao, bye bye. Bisous, bye. Ouh, il y a du vent, hein. Ouh, on va s'envoler.